Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment, je te lève. C'est toi qui nous as donné la vie. Beaucoup ont de l'argent, de quoi vivre, ont tout ce qu'ils peuvent en avoir, mais aujourd'hui, ils n'ont pas la vie. Ils ont essayé d'acheter le souffle de vie, mais ils ne l'ont pas pu. Mais tu nous as donné cette grâce et nous, on a cette souffle de vie. Ce souffle de vie, Père Tout-Puissant, te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Comme tu l'as dit dans ta parole, que c'est tout ce que tu nous diras dans la nuit que nous le prêchons sur le toit, nous témoignons sur le toit, ce que tu m'as montré, Seigneur, je veux le dire au monde entier, qu'il sache. Père, je prie que ton esprit soit derrière le message que je vais donner. Que nous soyons des gens qui mettent en pratique ta parole et non pas seulement des gens qui écoutent et qui ne les mettent pas en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je veux chanter deux chansons pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. 2013. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rencontré notre papa, c'est moi qui étais la première personne à le persécuter. Mais Dieu qui, quand il a un plan sur ta vie, il accomplit toujours et il n'aime pas avoir un plan de malheur sur ta vie, mais que ce plan soit coûte réalisé. Un jour, je me suis endormi et le Seigneur Jésus-Christ m'avait rendu visite. Je l'avais dit dans un des témoignages. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'avait rencontré et le sang fut sorti de mes narines, et je me suis abandonné totalement à lui. Et je suis alors revenu du côté de notre papa, le Père des Nations. Et le Seigneur Jésus-Christ a voulu me faire passer par les tribulations dont le Père des Nations est en train de passer. Et le mien n'était que des miettes de persécution, mais il m'était difficile de tenir devant ces persécutions. Toute la maison, là où nous habitons, les pasteurs, tout le monde s'est levé contre nous. Et un jour, le Père des Nations avait organisé une veillée de prière. Le thème de la prière, et que si le Seigneur Jésus-Christ revenait à la dernière heure ou bien à la fin des temps, est-ce qu'il va nous trouver fidèles? Et on a passé la veillée
Et le matin, dès l'aube, nous sommes rendus au lit. On a pleuré au Seigneur. Ma fille, l'aînée, on a craché sur sa figure. Le Dieu qui est le juge, après être endormi, le Seigneur Jésus-Christ était venu vers moi dans le rêve, après la veille. Et comment est-ce qu'il est venu vers moi? J'ai vu un GSM, ou bien portable, qui était vraiment large. Quelle chanson le portable chantait? Le portable chantait cette chanson en disant que Dieu est grand et il est plus grand que toutes choses. Et j'ai pris le portable et j'ai décroché. Quand j'ai mis le portable à mon oreille, il a dit, ma fille Christine, j'ai écouté vos prières. Tes ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Tu vas les vaincre. Ils vont jamais te vaincre. Et vous irez à destination. Amen. Amen. Et C'est cette chanson que j'ai voulu chanter premièrement. Tous les enfants de Dieu qui sont à l'écoute, qu'ils m'accompagnent et que nous chantions cette chanson pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que toute chose. Le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que toute chose. À qui peux-je le comparer? Il est plus grand que toute personne, toute chose. À qui peux-je le comparer? Il est plus grand que toute personne, toute chose. C'est ça la signification de la chanson. Voilà la signification de la chanson. Le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que toute personne, que toute chose. Tum 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 tum.
Amen, amen. La chanson que je viens de chanter, je fortifie tous les enfants de Dieu dans le monde entier. C'est pas facile de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir traversé ces petites choses, le Seigneur Jésus-Christ s'est amené vers moi et m'a parlé au travers le rêve. Il m'a dit que c'est Jésus que je vois que je ne les verrai plus jamais. La même chose va. La même chose va pour toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ et qui crois à ce que le Seigneur est en train de dire au Père des Nations, que tes ennemis, les Égyptiens que tu vois actuellement, que tu ne les verras plus jamais. Amen. Tu vas les vaincre et il ne peut pas te vaincre et tu iras à destination au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et moi, où Israël vient l'Égypte. Et quand Dieu a ramené les enfants d'Israël d'Égypte, il les a séparés avec la mer Rouge. Et il leur a dit qu'ils chercheront leurs ennemis, mais ils ne les verront plus jamais. Et effectivement, cela est arrivé. Et au moment où je suis en train de parler, cela aussi va t'arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais chanter la deuxième chanson. Exact.
La deuxième chanson veut dire quand Dieu a donné la révélation à Joseph, ses frères, ses parents l'ont vraiment persécuté, mais ce que Dieu a dit sur sa vie a été intact. Et il leur a dit que ce que Dieu a dit sur sa vie, c'est ce qu'il voit aujourd'hui. De même, va aussi pour toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ au travers ce que dit le Père des Nations. Tout ce que le Seigneur lui a dit et que tu as cru, toi et moi n'allons pas mourir, mais nous allons vivre, et pas seulement vivre sur cette terre, mais nous allons vivre éternellement et régner avec lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, nous allons chanter la chanson. Merci parce que j'ai vu et je l'ai vu s'accomplir, que je ne suis pas mort, que je vis et que je l'ai vu s'accomplir. Tout ce que tu as dit, nous ne sommes pas morts, que toutes tes prédictions sont arrivées, nous les avons vues, je te remercie de cela. Voici le sens, bien l'expression de la chanson. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 25 à 30. Je ne vais pas les lire, mais que les frères et sœurs qui m'écoutent lisent. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle Siméon. Cet homme était à Jérusalem. La Bible l'appelle un homme intègre, juste. Il est un homme de Dieu. Et il priait qu'il voulait voir le Consolateur avec ses propres yeux. Et il était sous la conduite du Saint-Esprit et il était parti au temple. Le Saint-Esprit l'a conduit au temple. Le jour-là, il a vu qu'on tenait un enfant. Amen. Et premièrement, le Saint-Esprit lui a dit qu'il ne mourra pas, mais qu'il verra avec ses propres yeux le Consolateur. Et effectivement, l'Esprit de Dieu l'a conduit
et il a vu ce fils ou bien ce consolateur avec ses propres yeux. Il a pris cet enfant dans ses bras. Il a dit, enfin, j'ai vu ce que Dieu m'a dit que je verrai avec mes propres yeux, que je ne mourrai pas. Je l'ai enfin vu. Et Dieu a manifesté son grand nom. Amen. Et je veux te fortifier, toi qui m'écoutes. Et que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit au travers le Père des nations, ou bien quelque chose qui t'a révélé, je prie que toi et moi, nous n'allons pas mourir, que nous allons vivre et ensemble nous allons contempler la gloire de Dieu et nous allons lui rendre la gloire pour tout ce qu'il a fait. Nous allons le toucher avec nos propres mains, nous allons profiter de cette bénédiction et nous irons au ciel. Amen. Lisons quelque chose dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 10. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 10. Je vais le lire en neveu. Marlène Que l'on entend, nous de car si à Nagano, de mi au Bénin, le Maubola, Gekedeka, le Abbé, fait à peu de cas en et fait à peu de cas hal, à ben Gekedeka en est, de Apotola, le Wom, Blau, le Epe, Mbedodo, Diwome, Abbé Alessi, Amadeo, Bune, Blau, Blau, là, Ene o, hafi, e bojidi ble o, nami, esi, menlo, bena, amerike, natron o, ke bon bena, amwokata, natrova, jemetotrobo, la mti, ke apeto la pe, ngeke le, vavage, abe fiafito ene, le esi me, jepo, avai, ple, bedede, ke gomejenu kata, labi, Eye walolo le jome. Eye anigba ple eme do la fia king. Les francophones ont lu de Pierre, chapitre 3, à partir de verset 8 à 10. Alléluia. Amen. Nous allons aussi lire quelque chose dans 2 Timothée, chapitre 1. Versets 8 à 9. 2 Timothée, le francophone 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 9. Mais en Timothée, pas voilà, Evelia, et ta bante, tchopoupoui, et n'y a sieke. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 9. Affirmaye, on le revena, et y a ta, on a gagpe au lait, n'y a pas de peu, d'assédier, plaît, n'y a, mais si n'y a peu, gâteau là, m'ti au, que bon, peu fou plaît, Nyanyuela le maupwe msen lanu. Abesi demi eye ucho yoyoko kwe yomi. Manye le miyapwe doa onu o. Kebon le yemtopwe tamedododi ple amenuwe lanu. Si ucho nami le Kristo Yesu me. Hafi eyi mavomavo o jigome. Amen. 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 Nous allons lire aussi quelque chose dans Jean 3. 32-33. Jean 3, 32 à 33. Jean 3, 32 à 33. Dans le Johannes Pagbalé et ton, Léa Taton, Tchopoukoué, Blaton va vêtir de Blaton va ton. Nous si au peuple, nous si au cela, et on dit au diable à Selena. Eye Amerike me ho epo dasedidi la o. Amesile epo dasedidi o ho la.
et à dope et djibena mawenye nyatepeto. Amen. 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 Tout un chacun de nous est béni au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, ou bien nous fait savoir que ce qui nous a révélé dans la nuit, que nous le disions à l'air libre ou bien sur le toit, a fait que le monde entier prenne conscience. Et que nous n'ayons pas honte de son témoignage, ou bien de témoigner de lui. Parce que si tu as honte de lui, lui aussi aura honte de toi. C'est pourquoi vous tous qui êtes à l'écoute, vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le livre de Pierre nous dit, que un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et un jour chez nous aussi, c'est comme si c'est 1000 ans chez Dieu. Et nous avons vu ce que le Seigneur est en train de faire, ce qu'il est en train de dire au travers le Père des Nations. Et il a parlé à plusieurs personnes, ce qu'il est sur le chemin ou bien ce qu'il est sur le pont de fer. Pour l'homme, il aime la précipitation ou bien que les choses aillent très vite. Il est difficile à l'homme d'espérer les temps convenables de Dieu. Et raison pour laquelle plusieurs personnes se sont découragées. Et comme nous venons de le lire, la Bible nous dit que c'est pas que Dieu est lent, c'est pas qu'il est trop lent, non plus non. Mais son désir, il n'aime pas voir le pécheur périr, mais il veut que tous viennent à la repentance. Certains disent que comment est-ce que quelqu'un peut mettre au monde un enfant et le mettre dans le feu? Et la Bible nous fait savoir aussi que comme nous, en tant qu'hommes, nous aimions donner de bonnes choses à nos enfants, comment se fera-t-il que le Père Céleste, qui est Dieu, qui connaît tout, qui aime ses enfants, peut-il donner de la pierre ou bien du scorpion à ses enfants quand il lui demande le pain ou bien il lui demande de l'œuf? Il a dit que si nous, en tant qu'êtres humains, nous aimions faire de bonnes choses envers nos enfants, lui aussi, en tant que Père Céleste, il aura compassion de nous et il ne nous fera pas du mal. Mais nous, nous sommes des pécheurs. Nous, en tant que pécheurs, nous savions très bien que si nos enfants nous demandent de bonnes choses, nous les donnons convenablement et nous ne leur donnons pas du faux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ sait ce qui est bon pour toi et pour moi et il va nous le donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous attendons ou bien nous écoutons aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ a fait du Togo l'Israël spirituel
Et de là, il va préparer ses enfants pour les amener au ciel. Et certains d'entre nous ne le croyons pas et nous disons que c'est du mensonge et que nous voulions les voir avec nos yeux avant d'y croire. Mais moi, je ne veux pas que cela soit trop tard pour toi et moi. Non. De telles choses étaient arrivées au temps de Noé. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc qu'à son avènement, la même chose va arriver. Au temps de Noé, on se moquait de Noé en lui disant que de pareilles pluies dont il est en train de parler n'est jamais arrivé. Même dans l'histoire, on n'a jamais parlé de pareilles pluies. Alors, ce que Dieu disait à Noé est réellement arrivé. Au temps de Noé, après le début du déluge, ils s'amenèrent vers l'arche et ils le frappaient et ils demandaient à Noé de leur ouvrir l'arche. Mais comme ce n'est pas Noé lui-même qui avait fermé l'arche, il lui était impossible de leur venir en aide parce que c'est Dieu lui-même qui avait fermé l'arche. Et que tous ces gens sont morts dans le monde entier, tous sont péris. Entre nous, si nous aussi nous étions présents au temps de Noé, que ferions-nous et que dirions-nous à l'égard de Noé? Je pense que toi et moi, nous allions faire mal plus que ceux qui ont insulté Noé. Moi qui suis en train de vous parler, ces gens qui ont refusé de croire aux révélations que Dieu a données au Père des Nations, moi, le Seigneur m'a fait grâce et il m'a fait Mère des Nations. J'ai fait plus que vous. Parce qu'avant que le Père des Nations et moi, on se rencontre, moi, j'allais à l'Assemblée de Dieu. Les gens savent très bien comment est-ce que les gens des assemblées de Dieu prient plus que les catholiques. La personne va à l'église catholique et puis finalement commence à me dire que je dois arrêter mon travail de coiffeuse et je dois tout jeter. Bien-aimé, si vous étiez à ma place, allez-vous facilement croire à ces choses? Et il a brûlé mes diplômes, mais c'est avec de grands prix que j'ai eu ces diplômes. C'était pas facile. Il fallait que tu passes par là avant de savoir ce que je suis en train de te dire. Je lui ai dit des choses vilaines. Je lui ai lancé des mots que je ne peux même pas. Et je lui ai dit beaucoup de choses. Ceux qui insultent le Père des Nations, je m'assieds avec eux et ensemble on insultait le Père des Nations.
Il était quand même mon mari, mais je m'associais à ces gens si on parlait mal de lui. Parce que je ne croyais pas à ce qu'il me disait. Le Seigneur Jésus m'a fait grâce et je veux partager cela avec toi, qu'il te fasse cette grâce pour que tu ne pèches pas contre le Saint-Esprit et perds ton âme. La manière dont moi je l'avais insulté, dénigré, méprisé, personne d'entre vous n'a encore fait de pareilles choses envers lui. Imaginez, tu es avec une femme, hein, et quand tu t'en vas, tu reviens, elle t'insulte, elle te dit des banalités. Pas un jour, un an, 2 ans. C'est pas facile. Et après cela, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce, il m'a rencontré une nuit. Le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu qu'il connaît ses brebis et ses brebis lui connaissent, il le parle, elles écoutent sa voix et elles le suivent. Tout ce que je faisais, le Seigneur Jésus avait un plan pour ma vie. Il ne voulait pas que je me perde. C'est la raison pour laquelle il s'est révélé à moi. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette grâce. Certains sont en train de prier actuellement en demandant au Seigneur Jésus-Christ de leur parler, mais il peut les laisser sans rien leur dire. Certains sont en train de travailler, sont dans l'œuvre, mais 30 ans, 20 ans, mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais il m'a fait cette grâce. Et il était venu dans sa gloire et il a dit, Gabriel, dors-tu? Et je l'ai vu avec une couronne sur la tête et je disais dans le rêve, ou bien le Seigneur Jésus-Christ est-il déjà de retour? Parce que je savais qu'on disait que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ou bien est-il déjà de retour? C'est ce que je disais. Et je ne dormais pas comme il faut. Bon, j'étais mi-éveillé, quelque chose comme ça, et puis je l'ai vu. Quand il était rentré dans la chambre, la lumière était éteinte. Parce que lui-même, il est la lumière. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ qui demandait et disait, Gabriel, dors-tu? C'est lui-même qui est la lumière, c'est lui qui veut lui pour nous, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il m'a fait grâce, il m'a dit, repens-toi parce que mon retour est proche. Il m'a dit, écoute la voix de ton Créateur, repens-toi car mon retour est proche. Quand je me suis réveillé, le pagne que je portais et mon habit étaient tachetés de sang. Comme je vous l'avais dit, il y a le sang qui sortait de mes narines.
Il voulait seulement me dire que moi qui suis en train de persécuter son nom, que c'est lui, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui est venu mourir pour nous tous. Que c'est lui qui l'a oint. Et j'ai tout abandonné et je me suis entièrement confié au Seigneur Jésus-Christ. Et raison pour laquelle je demande pardon à tout un chacun de vous. Il m'avait montré un enlèvement qui était vraiment très dur. J'avais pas vu mes enfants, non même plus le Père des Nations, certaines personnes qui sont dans la maison avec nous, je ne les avais plus vues. Quand je me suis réveillé, ce que j'ai ressenti dans le rêve, la même chose, je l'ai ressenti ici. J'avais eu tellement eu peur. Et je me suis abandonné au Seigneur Jésus-Christ et j'ai dit, même si mon propre fils que j'ai mis au monde, le Seigneur veut passer par lui pour m'amener au ciel, je vais m'humilier devant cet enfant et recevoir tout ce que le Seigneur va lui donner. Alors, à partir de ce jour, je me suis abandonné dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a encore dit quelque chose dans la Bible. Il a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Cela veut dire que tout ce qu'on lui a fait, on va nous le faire aussi. Comme le Père des Nations le dit, tout ce que le Seigneur lui a dit, tout sera accompli parce que sa parole nous dit que s'il envoie son message ou sa parole, il ne reviendra jamais vers le bredouille. Il ira faire l'œuvre pour laquelle il a envoyé et cela va s'accomplir. Et je demande humblement pardon à tous les frères et sœurs dans le monde entier qui écoutent le message du Père des Nations que Dieu est en train de lui donner. Que tout ce qui va les décourager, tout ce que les gens sont en train de dire qui va les décourager. Je les appelle à ne pas perdre pédale ou bien à ne pas se décourager. Non, c'est Jésus-Christ que nous suivons est vivant et il nous parle. Comme il a dit dans sa parole que ce qu'on lui a fait, on nous le fera aussi. Il a dit malheur si les gens parlent de bonnes choses de vous. C'est pourquoi je fortifie toutes les âmes que le Seigneur Jésus a mis dans la main du Père des Nations. Je les fortifie tous. De ne pas se désespérer. Parce que l'espérance ne donne jamais la honte.
qu'ils aient le courage. Parce que nous sommes sur une route. Parce qu'on lui avait appelé fou. On l'avait appelé démon, baseball. On lui avait donné des différents noms. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas désespéré, il a fini son travail. Regarde comment est-ce qu'on l'avait battu, on l'avait maltraité à cause de toi et moi. On avait tiré sa barbe. À cause de toi, à cause de moi. Que nos âmes ne se perdent pas. On a craché sur son visage. On lui avait donné du vinaigre à la place d'eau. On lui avait posé la question, si tu es réellement le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. On lui avait dit qu'il utilisait la puissance des démons pour guérir les gens. Mais il a persévéré jusqu'à la croix. Il a dit que tout est accompli. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ, comme il a achevé son ministère, il va aider aussi le Père des Nations à finir aussi son ministère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ et tu n'es pas persécuté, attends, c'est maintenant le moment. Ça peut être ton fils, ta femme, tes parents, ils vont te persécuter. Les gens dorment aujourd'hui n'importe quel nom au Père des Nations, qu'il est parti prendre du pouvoir quelque part, des trucs. Moi aussi, je me bats pour mon âme. À cause de mon mari, moi, je ne vais pas perdre mon âme. Parce que je sais qu'au ciel, il n'y a plus le mariage. Je sais ce que Dieu m'a dit, c'est pourquoi je vous appelle, vous, tous les enfants spirituels du Père des Nations, dans le monde entier, priez s'il y a quelque chose, un point qui vous semble flou, allez à genoux, invoquez le Seigneur Jésus-Christ, il vous parlera. C'est pour... Je vous interpelle tous. Le Seigneur dit qu'il va faire du Togo Israël spirituel. Et là, il va préparer les 16 enfants pour le ciel. Alors, ceux qui refusent de s'inscrire, inscrivez-vous. Parce que ce qui était arrivé au temps de Noé, la même chose arrivera. Et faites attention. Ne ridiculez pas les messages de Dieu. Et n'allez pas pécher contre le Saint-Esprit. Et
Au moment où le Seigneur n'a pas appelé le Père des Nations, il vivait dans la débauche. Il sortait avec les gens, il faisait la vie comme il le voulait, il célébrait les anniversaires comme il le voulait. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il a abandonné toute sa vie. C'est moi-même qui préparais aux soldats, aux officiers à manger. Quand ils les invitaient, c'est moi qui préparais à tous ces gens à manger. Et les officiers. Et tu n'as pas le courage. Si tu touches un de nos enfants, tu verras. Mais quand le Saint Jésus-Christ l'a appelé, on est devenu un dépotoir. Mais nous sentons fiers dans cet appel. Je vous interpelle tous, vous étant les enfants spirituels du Père des Nations dans le monde entier, je vous interpelle, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, parce que nous aurions nos couronnes de vie au nom de Jésus-Christ. Après cet appel, les gens nous ridiculaient parce qu'on était devenus comme des faiblards. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit que quand il appelle quelqu'un, que cette personne s'abandonne à lui, abandonne toutes ses forces et lui va lui donner sa force. Et parce que quand les gens l'embêtaient en ce moment, je cherchais à ce qu'il frappe ces gens comme je le veux. Mais lui, ce qu'il lui comprenait en ce temps, moi, je ne le comprenais pas. Mais maintenant, je l'ai bien compris et je remercie, je glorifie le Seigneur. Et alors, il faut que le Seigneur Jésus-Christ serre nos reins avec sa parole. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé quelque chose. J'ai vu que les gens sont venus très nombreux en Israël spirituel. Mais je ne savais pas s'ils ont écrit leur nom ou bien ils n'ont pas écrit leur nom. Je pense qu'ils n'ont pas écrit leur nom. Et j'ai vu le frère Josué Isaac. Et Josué Isaac les renvoyait et le Père des Nations ne voulait pas. Josué Isaac était en train de dire au Père des Nations que ça, c'est pas ton affaire. Et il les renvoyait. Les gens aussi ne voulaient pas partir. Il les renvoyait. Et je me suis réveillé ici. Et ils ont vu que cela s'est accompli avant qu'ils ne viennent. Bien-aimés, ceci était arrivé au temps de Noé. Et ils ont vu finalement que c'est arrivé. Mais quand on leur disait, inscrivez-vous, 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 ils s'en moquaient, ils ne voulaient pas s'inscrire. C'est la même chose qui était arrivée au temps de Noé. Quand Noé leur parlait, ils ne voulaient pas comprendre, attendre Noé, jusqu'à ce que la porte de l'arche a été fermée par Dieu lui-même. Et ils n'avaient plus aucune opportunité de rentrer dans l'arche. Je
Les gens étaient nombreux, comme je ne sais pas comment le dire. Et puis, Josué Isaac les ramassait, les renvoyait, il n'avait même pas pitié d'eux. Et Père des Nations, lui, il avait pitié d'eux. Mais le frère Josué Isaac ne regardait même pas le Père des Nations. Ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait. Je prie pour toi et moi afin que cela n'arrive pas de la sorte pour nous. Levons-nous le plus vite possible et que ces choses nous échappent. Le Père des Nations était assis, mais la manière dont il voyait la chose, il n'arrivait pas à s'asseoir, il s'est levé. Ils étaient très nombreux, de différentes couleurs. Mais frère Josué Isaac n'avait pas pitié d'eux. Ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait. Puis je me suis réveillé. Je prie pour toi et pour moi que nous nous levions le plus vite possible afin que notre voyage ne soit pas mis à chemin. Amen.